Ok, aujourd'hui on va rester 24 heures dans ce cube en verre. Yes, fucking go. Let's go, on rentre. Merci Patoche pour avoir construit le cube. 24 heures à partir de maintenant. C'est parti, allez, go go go. Ah, ton cul, incroyable. On est bien ici, non? Mec, l'épisode où on a dormi dans la tente, ça allait. Personne nous voyait. Fais un tour. Bien évidemment, on va commander Uber Eats. Faut que le mec vienne nous livrer jusqu'ici. Ça serait trop bien, et genre devant la porte de... C'est pas la porte du box, hein. J'ai prévu une petite surprise, moi, plutôt pas mal. Oh bâtard, et les gars, il y a les filles qui viennent de passer, on vient juste de commencer l'intro. Putain, il est vraiment là. T'es con, j'ai vraiment coupé. Mec, je croyais que tu me faisais une blague en plus. Les gars, c'est vraiment premier degré, la police elle est passée et qu'ils s'en battent les couilles, les gars, on est les rois du monde. Ouais, en vrai. Ils sont vraiment passés. Alors, après, ça se trouve, ils nous ont pas vus, hein. Bon, pour bien vous expliquer pourquoi j'ai fait ça, sur TikTok de base, là j'attends Big Flowly derrière ma porte. Et du coup, on m'a donné un challenge de reproduire le clip de Big Flowly Sacré Bordel où ils sont enfermés dans un cube en verre, bah pendant 24 heures. Un cube en verre, c'est trop compliqué à faire, les gars. De base, ça devait être du plexiglas. Mais le budget a fait que c'est une nappe transparente. Après, les gars, si vous vouliez un cube en plexiglas, fallait s'abonner, les gars. Ou en verre. Fallait s'abonner. S'il y a 20 000 pouces bleus sur cette vidéo, les gars, je vous promets, on refait ce cube. Mais cette fois-ci en verre et on se met dans une place encore plus visible. Mais cette fois-ci, on va essayer d'avoir des autorisations. Parce que là, oui, on a aucune autorisation. Donc à tout moment, on se fait dégager. Allez, c'est parti, on va faire une petite commande Uber Eats. J'espère que le mec va jouer le jeu, va venir nous livrer jusqu'à dans le cube. Les gars, on se fait livrer. Bonsoir. Ah, il est incroyable. Meilleur livreur. On peut pas sortir, nous. On n'a pas le droit. Mais je te laisse entrer. Vous allez bien, les gars? Ça va et toi? Ouais, toi. Ça va, merci. Merci beaucoup. Il est rentré dans le cube, les gars. Qui fait ça, frère? Meilleur livreur, Abdel. Ou je crève la dalle. Ah, oh, la dalle. Là, mais on aurait dû commander à la dalle. Ouais, ton burger gros. T'es mal à taille du burger, mon gars. Waouh. Je suis en train de les motiver, ils se remettent à fond sur YouTube, les gars. Allez vous abonner parce qu'on va faire plein de vidéos ensemble. Abonnez-vous pour pas rater sa vidéo. Extrait tout de suite. C'était du n'importe quoi. Bon les gars, j'ai une petite source de divertissement à vous proposer. C'est quoi? Un petit peu d'artifice. Mais non. Si mec. Mec, t'es un fou. Ça va faire du bruit. Voilà ma surprise, les gars. Wow, ça a fait de la fumée. Wow, le fun, le fun, 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 fun. Fun, fun, gros fun. Délire. Un salope. Wow. Oh, la dinguerie. Oh. Wesh, 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 wesh. Wesh, wesh. Le canapé, le canapé. Le canapé. En train de brûler. Let's go! Oh, on a fumé! Ça a pu la mort! T'es vraiment un gros malade! Et j'en ai encore! Mais non! Incroyable! Incroyable! Les gars! Et là, c'est un vrai concert là! Oh, le petit spectacle, il est très mignon! Et j'en ai encore! Non, je rigole! Bon, les gars, on s'apprête à peut-être essayer de dormir. J'ai envie que ces 24 heures se finissent, mec. Et toi, Raph, qu'est-ce que tu en penses? 1h59. Et il reste beaucoup de temps parce que d'habitude, quand on dort dans les endroits, vous vous souvenez, à chaque fois, bah, on sait que le lendemain, on se barre. Mais là, le lendemain, c'est limite le début. Mais je pense que demain, ça va être plus marrant parce qu'il y aura des gens qui vont passer. Il y aura du divertissement. Là, on est vraiment seul avec des voitures qui passent. Limite, maintenant, les voitures, c'est la seule animation qui reste. Il y a tellement peu de divertissement que je regarde la buée et en fonction de comment elle est disposée, je m'imagine des images, genre. Mais mec, moi aussi, mec. Je suis à ce stade-là de je me fais chier, quoi. Oh, le menteur, il dort pas en plus. Il fait semblant de dormir. Non, vraiment, je vais vraiment essayer par contre. Là, il y a le frérot Raph. Il a décidé de vouloir se mettre par terre. Est-ce que, Anto, je dois repréciser que je te déteste? Mec, I love you, mec. Il a été prendre un petit tapis de gym que j'avais dans ma voiture. Voilà, les gars. Là, il doit être 2h et quelques. Non, je dis n'importe quoi. Il est bientôt 4h. Je dis n'importe quoi. Les deux loulous, Seyar et Anto, sont en train de dormir juste ici. Et moi, je suis la petite garde. Bisous, croyons vos rêves, n'abandonnez jamais, galérez, et après ça sera bon. On est qu'un... Oh, on vient de se faire réveiller, il y a quelqu'un à lancer un truc, mais je sens que c'est une connerie des deux. Non, là. Non, là, mais non, regarde, il vient de se réveiller, gros. C'est toi ou pas la vérité, gros? Oh, je suis en train de dormir sa mère. Oh. Ah, c'est un dernier moment, là? Ouais. Sa mère. Ça se trouve, c'est le vent, mec. Sérieux? Mec, en plus, c'est dur, ça. Non, c'est quoi, c'est mis un bout de bois? Mais ouais, gros, c'est impossible, mec, y'a personne, là, c'est chaud. Attends, j'arrive, gros. Les connards. Ok les gars, on les a rodaf. Attends, garde-toi là-bas, là-bas. Oh, non. Mais non, putain. On était en panique, gros. Bon, je suis surexposé.
Oh là là. Ça y est, on est réveillé. Ça fait du bien de se faire réveiller par la chaleur. Mec, c'est... Franchement, le canapé, t'en penses quoi? Ah non, il est horrible. Horrible d'aller sur le canapé. Les gars, ne faites pas ça. Ne dormez pas sur le canapé. Oh, c'est horrible, je suis mort. Les gars, j'ai passé une nuit horrible. J'aurais même abégé. Franchement, je pensais pas que ça allait être aussi horrible que ça. Raph? Pourquoi il est plus dans la tente, gros? Ouais, il est parti nous chercher à manger, regardez comment c'est un bon. J'ai sorti du cul pour aller chercher un domac à 10h du spa. Oula, bah, eh, petite baie vitrée là, oh derrière. Non. Mec, je le dis au monde entier, un Big Mac à 8h, frère, c'est la meilleure chose au monde. Bon, après, il est 10h33. Hein. Ouais, mais bon. Moi, je suis resté simple. Un petit donut. En vrai de vrai là je suis dégoûté, j'aurais trop aimé, j'ai pas pensé à prendre des trucs prosis, j'aurais kiffé là. Parce que là je sais que je vais manger ça, je vais avoir mal au ventre. Moi je suis comme ça quand je mange trop sucré le matin, quand c'est de la merde quoi. Et là prosis ça aurait été incroyable, j'aurais pu bien manger sans avoir mal au ventre. D'ailleurs prosis c'est quoi? 97 calories dans une glace. Des pizzas, et en plus de ça y a pas de matière grasse. Mais j'avoue le sport c'est trop facile, mais juste l'alimentation je peux pas. Parce que je sais pas cuisiner ni rien Eh bah si mec, parce que même avec prosis tu peux avoir des plats préparés avec toute la valeur nutritionnelle indiquée. Et t'inquiète pas, tu vas pas manger tous les jours la même chose, c'est hyper varié. T'as pas d'excuses, regarde-moi ça, tu peux manger des biscuits. Tu peux manger de la pâte à tartiner, chocolat blanc, chocolat au lait mélangé. T'as même des M&M's. Les gars, là, il y a l'alarme du lycée qui est en train de sonner, écoutez. C'est pas du tout ça, le bruit de l'alarme. Ça veut dire que s'il y a les flics qui viennent, bah, on est les premiers suspects. On est passé de cette nuit à crever de froid à aujourd'hui, on crève de chaud, c'est horrible. Et la tente, avec le vent, elle fait que vouloir de s'effondrer. On est trop bien. Eh, les gars, j'ai une petite surprise pour remonter le moral. On s'étouffe. À cœur. Ah, yes, ça dalle. Il y a vraiment cette vidéo, j'y croyais tellement au début, mais là, plus elle continue et plus je me dis, waouh. C'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à faire dans un cube. Mais on fera mieux, vraiment, si vous aimez ce genre de contenu, deux fois plus grand, en plexi avec des meilleurs moyens et je pense que ça sera avec stylé. Avec de l'électricité. Lâche ça, il y a tout qui s'envole. Les gars, le cube il part vraiment en couille là, vous pouvez voir de tous les côtés là. C'est la merde. Les gars, il est seulement 13h. Les gars, on est arrivé vers 19h30, donc c'est à dire qu'il faut qu'on parte ce soir à 19h30. Donc il reste là 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Il reste 6h30. Bon, écoutez, on va faire un. S'il te plaît, garde ça au montage. S'il te plaît. Faut que les gens voient à quel point on est fatigué. Bon, allez, on fait le jeu du ballon. Celui qui fait tomber le ballon a perdu. Celui qui fait tomber le ballon, il sort du cube. C'est là! Il est parti le ballon là. Ah, il est parti. Hein. Mais Saranto, je l'ai touché hein. Oh! Quoi? Il a explosé. Magie. On va ramasser bien évidemment cette putain de merde par terre. Oh là 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 là! Les gars, c'est tout part en couille. Venez, viens dans la tente, Raph, s'il te plaît, viens dans la tente. Non, viens dans la tente, dans le cube. Est-ce qu'on a l'air con? Oui. Merci! Oui. Oui, il a vu. Sa mère! Je les gars! Oh non! Seiya! Bon, les gars, malheureusement, j'aurais pas tenu 24 heures. Mais les gars, vous avez vu que c'était impossible, ça tenait pas en fait. En fait, on aurait dû tenir encore 6 heures, mais à tenir les poteaux chacun. Ah oui, oui, voilà, impossible. Les gars, j'ai trop le seum, je déteste ne pas réussir un challenge, mais là, c'est même pas qu'on a voulu partir alors que je vous mens pas que depuis ce matin on veut se barrer. On se dit, y'a rien à faire. Bon, les gars, merci d'avoir suivi cette vidéo. Franchement, le cube, c'était cool. Franchement, dommage qu'il est tombé, mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez voir un deuxième épisode avec vraiment du plexiglas, un truc carré de fou, plus grand surtout. Si les gens sont chauds pour l'épisode 2, je suis chaud. Parfait. Ouais, non, je pense que c'est bon. Tu fais exprès ça le matin ou pas? Non, c'est moi où il y a le bouton s'abonner là. Ah non. Oui! Les gars, n'oubliez pas de vous abonner. Quoi. Ah, tu voulais me checker? Ah putain! Merci! Je vais laisser ce passage, il est excellent. Merci à tous, abonnez-vous. Bisous les refs. Tchuss!